Bordel de merde. C'est qui alors? Des scars ou des intrudes? Des bouchers ou quoi? Infectés vont les bouffer. Non, elles ont tué Mike. Je veux les buter moi-même. Elles ont eu Jordan aussi. Putain de merde. Oh!
Ok. Faut pas qu'on traîne trop longtemps dans le coin. Prends tout ce que tu peux, et après, on bouge. Tina. Allez, ouvre-toi. Peut-être par ici. T'as entendu comment ils nous appelaient ? Scar. Je me demande si c'est les Scar qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étrippé tous ces wolves. Putain, y'a que des tarés dans cette ville.
Bordel. T'as déjà vu un truc pareil? Les colosses balancent des spores acides. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit un. Je sais pas contre quoi ils se battent, mais on devrait les laisser s'entretuer. Je suis d'accord. Un claqueur mort. C'est comme ça que je les aime. Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller? Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Ça va le faire. L'échelle est pétée. Fais chier. Tina, par là. Un autre géant ! On se sent vite ! Dale, attention ! C'est bon, je m'en occupe ! Allez, faut tirer ! Putain de merde. J'en ai jamais vu avant. Moi non plus. Thank you.
Déteste ces enfoirés. Ils t'ont eu ? Non. J'ai rien. Des puants ? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs ? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants ? J'en sais rien. Mais ils sont horribles. La voie est libre. Tant mieux. Hey. Tu trouves pas qu'on dirait la nana du graffiti d'Escar ? Si. Pourquoi les Wolves les appellent Scar, à ton avis ? Après les horreurs qu'on a vues aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de savoir. Oh, merde. Il faut un code. Hmm.
Voyons voir. Oui. Comment t'as fait ça? C'est magique. Tu sais que je t'aime, toi. Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Ok.
J'ai bien envie de me casser d'ici. Pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident de train, peut-être? Merci, Sherlock. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Je vois de la lumière par là. Alors on monte.
Dina ? Ouais, j'arrive. On se rapproche de la lumière. Hey, je vais t'aider à monter. Ouais. Trouver quoi ? Ok, on reste ensemble. On sera bientôt dehors. Passe devant.
si on se reposait dans ce théâtre. C'est une putain de bonne idée. Tu y es presque. Je te tiens. Attends là. C'est bon ? Allez ! Il y a personne. Tu peux me dire ce qui se passe, au juste. Tu me demandes ce qui se passe. Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy... et Joël sont les seuls au courant. Était. Toi aussi, maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis ? Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. M'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Repose-toi.
Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Qui vit ici. Ok. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Faut que je remette le courant.
Bon sang. T'as grillé ? C'était pas ton truc, l'électricité. C'est quoi ça? Nickel. Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Génial. Flippant. J'y crois pas.